Putain, mais Louis, qu'est-ce que tu fous là? Les parents m'ont foutu dehors. Puis t'es venu jusqu'ici? Ouais. Mais tu pouvais pas aller chez Yann ou un autre de tes potes? Ben, ses parents, ils voulaient pas. Ben viens, entre. Et t'enlèves tes chaussures. Bah du coup, raconte. Qu'est-ce que t'as fait pour que papa et maman te fassent la gueule? Bah, je me suis fait virer de mon apprentissage. Putain, mais Louis... J'ai vraiment l'impression que tu fais exprès, mon ami. Ah non, 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 tu fumes pas ici, hein. Vas-y, je peux pas fumer dehors? Non, tu peux pas fumer dehors. Puis tu peux pas rester, de toute façon. Y'a une meuf qui vient ce soir. Tu vois une meuf, toi? Ouais, je vois tes meufs, ouais. Et puis tu ferais bien de t'en trouver une, d'ailleurs. Vas-y, je m'en balais avec moi des meufs. Ouais, mais ça, ça résout pas le problème, tu vois. De quoi? Bah de où est-ce que tu vas dormir ce soir? Je t'ai dit, tu peux pas rester. Puis j'ai encore des trucs à faire ici. Mais... Salut. Manu, il est là? Manu, il est parti. Ah, mais il est où? Il est chez ses parents. Attends, qu'est-ce qui se passe? Puis t'es qui, toi, déjà? Je suis son frère. Putain. Ah non, ça sert à rien de le joindre, hein. Il s'est fait voler son téléphone. Il se fout de ma gueule, il m'a donné rendez-vous ici. Bah, je sais pas. Laisse tomber. Attends. Si je te dis où il est, tu dis rien? Il est chez son ex. Tiens, là j'ai 20 balles. Tu vas bouffer un truc dehors, tu te démerdes pour dormir quelque part, puis tu reviens ici demain après-midi, ok? À mon avis, elle ne va pas venir. Et c'est bon, je suis désolé, ok? Hein. Mais c'est pas de ma faute si tu t'es fait virer. Non, mais... J'ai croisé. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, Louis? Je l'ai croisé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oui. Bon, rien. Elle est arrivée. Elle est repartie. Vas-y, lâche-moi! Te fous pas de ma gueule, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. C'est toujours la même chose avec toi, hein? Tu dis rien, tu fais rien, c'est jamais de ta faute, hein? Ah, mais parce que toi t'es parfait! Toi tu t'occupes bien de ton petit frère, hein? Ah, mais non, mais toujours les meufs avant la famille! Et l'autre là, il sert à rien! C'est un cas social, hein? C'est pas ça que tu penses? Barre-toi. Maintenant. Et tu peux garder la thune. Ce que t'as dit avant. Je le pense pas, ok? Donc si tu veux, tu peux rester dormir ici ce soir.
Enfin bref.